et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de mars. On commence avec le soleil des poissons qui est extrêmement bien placé par rapport à votre signe. Il le fait rayonner, il illumine votre secteur des amitiés, des projets, de la solidarité, de l'entraide. Et comme en bon taureau, vous aimez vous sentir utile, eh bien, cette conjoncture va vous permettre de rendre des services à droite, à gauche, de vous valoriser, hein, le soleil valorise, en étant vraiment le meilleur ami qu'on puisse avoir, puisque vous vous proposerez pour aider, pour donner des conseils, pour aller bricoler chez des amis. Vous voyez, votre sens pratique sera très très bien aspecté et on en aura besoin. Le soleil sera en bélier ensuite à partir du 20, et c'est votre secteur 12, donc un petit peu de recul, essayez de ne pas être dans la rancune par rapport à quelqu'un qui vous aurait un petit peu vexé. Voilà, ne gardez pas les choses pour vous dans la mesure où bon, ça vous fait plus de mal à vous qu'à l'autre finalement. Hein. Donc les énergies sont très porteuses pour tout ce qui est de votre intuition, de votre instinct, de votre feeling. Côté activité, eh bien, c'est toujours Mars hein, qui gère vos énergies. Elle se trouve depuis le mois d'août dans le signe des Gémeaux, qui est votre voisin. Hein. Il gère vos besoins, comment vous les exprimez, comment vous utilisez vos moyens. Hein, là, on va parler d'argent, hein, avec les moyens et avec les besoins. On peut parler de besoins affectifs, hein, mais bon, disons qu'avec Mars, peut-être que vous êtes un peu trop en demande, hein, c'est possible que vous ayez une libido vraiment bien en forme, hein, on va dire. Donc ça fait partie des possibilités, mais bon, évidemment, il y a d'autres choses. Vous pouvez avoir un besoin d'argent et avoir à demander de l'argent, emprunter, tout ça n'étant pas trop dans votre philosophie, dans la mesure où le taureau, normalement, il amasse, hein, il a de l'argent. Donc là, que vous ayez en emprunté, c'est que probablement, il y a eu de grosses dépenses, peut-être justement des dépenses énergétiques, hein, puisque on parle de Mars. Alors évidemment, ce sont des dépenses énergétiques qui peuvent être aussi physiques. Hein, vous avez pu vous mettre au sport, hein. Quoique le taureau et le sport, parfois, ça fait deux. Côté cœur, on passe rapidement sur Vénus qui va être en bélier jusqu'au 16. Hein. Bon, donc la Vénus du bélier, peut-être que vous allez vous emballer intérieurement. Hein. Ça ne sera pas du tout quelque chose de concret. Ou à moins que vous ayez une relation un petit peu secrète dont vous ne pouvez pas parler, mais a priori, bon, vous allez vous autoriser peut-être à rêver à quelqu'un qui n'est pas libre ou bon, quelqu'un que vous avez croisé tout simplement et qui vous a fait un petit peu d'effet. Mais bon, tout ça, vous l'oublierez quand Vénus entrera dans votre signe. Là, ce sera top, vraiment. Dans un premier temps, elle va être en dissonance avec Pluton. Alors peut-être que hein, ce sera un moment où vous serez un petit peu tourmenté parce que justement, quelqu'un vous plaira et vous ne saurez pas comment le lui faire comprendre. Hein. Disons qu'il y aura un petit peu de difficulté à communiquer ce que vous ressentirez. Mais bon, ça passera rapidement. Et ensuite, les célibataires, avec tout le charme vénusien qui sera en vous, vont pouvoir séduire, hein, ça c'est sûr. Et ceux qui sont en couple, eh bien, ils vont tout simplement se rapprocher parce que obligatoirement, Vénus, elle tisse des liens. Hein, et puis à chaque fois qu'elle repasse chez vous, eh ben, les liens se resserrent. Hein. Alors attention hein, à tout ce qui est jalousie.
Le 1er, le 7, le 15, le 20, le 30, ça fait 5 journées hein, vraiment qui seront top ce mois-ci et qui vous permettront justement de rendre service ou d'être solidaire avec une cause. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir. Et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site celastro.com ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche.